Soso vit. Où est-ce? C'est où? Au Québec. Non, pas la Norette. La Nodia. C'est pas une ville, mais une région. Hey, les mouches, allez jouer ailleurs. Je pense que l'espace est assez verte, là. Chris, les voisins, ils sont à plus de 2 km. Ils ne tentent pas d'aller que... L'anneau d'hier. Quel anneau hier? Non, j'habite pas à Joliette non plus. Puis même à ça, je vous le dirai pas. Saint-Gab non plus. Peu importe, là. Ma ville reste privée. Y a pas personne qui va essayer de me retracer. Je me magasine pas un tueur en série, gang. C'est non. Ça, c'est non. T'imagines, ce serait des êtres humains qu'on lit, je verrais pas le nom. Ah, mais chez moi, là, c'est l'enfer, l'été, tout le temps, là. Vous avez pas idée, là. Il y a des champs, il y a des vaches là-bas. Là, il y a tout. Hey, si vous saviez le nombre de blacks, c'est qui ont viré fou ici à cause des mouches, là, t'as même pas idée. T'as même pas idée! Non, pas sur le coin d'une rue. Je habite dans un cul-de-sac. Je suis genre la troisième maison. Fait que c'est pas le coin. Saint-Jean, sur Richelieu. Oh, c'est pas à côté. Hey, coucou cousine! Qu'est-ce que tu fais dans mon live? Là, je suis toute gênée. Il y a vraiment quelqu'un qui me connaît. Y'a-tu autant de mouches chez toi que chez moi? Parce que moi, chez moi, hein, y'en a tabarnak. Bye, Wes, à la prochaine. Hey, c'était quand ton party, que, soi-disant, que tu m'as pas invité? J'ai appris ça sur TikTok. Coucou, Max. Allô, Denis. Bon, ma cousine est partie. Viens passer tes camions. Mes camions. Ben, j'avais juste un... Ouais, non, deux. Juste deux aujourd'hui. Ouais, c'est Vengaboy, mais ça, c'est une version, non, celle-là, c'est l'original, excuse. C'est vrai. Mais j'en ai une un peu plus rock aussi, des Vengaboys, c'est pour ça. Merci! Je suis due pour mes nouveaux, là. À me mettre bonne humeur, cette tune-là, j'avais besoin de la réécouter, vous voyez. Voyons, c'est tellement bon. Oh, mais merci. Imagine si j'aurais été à mon chalet, là, un, j'aurais même pas assez de réseau pour faire un live. Deux, ça serait pas des mouches qui auraient autour de moi, ça serait juste des estimes maringouins pis des mouches noires. Je passe mon temps à me taper sa gueule quand je vais là-bas. J'ai pas chaud à vie autant. Non, je suis bien comme ça. Non, je fais pas de moto. Hey! J'ai mis mes chefs, là. J'ai même pas gardé mes pantalons de travail parce que là, tabarnak, il y aurait peut-être toujours un crisse. Des gros cargos, là. Ouf. J'ai remonté ma camisole en plus. Je peux pas faire de live de toute façon en bikini. Oui, exactement. Sur OF. Sur OnlyFans, je fais du contenu
pour adultes. Ben oui, c'est dommage. Je crois des plaintes à TikTok. Pourquoi on peut pas être en live en bikini? Moi, je me ferais bronzer en faisant des lives, mais j'ai pas le droit. Et mon bras, t'as-tu fait la couleur? Je pense que le soleil y est fort. Mon Instagram, tous mes réseaux s'appellent Ruby Love Girl. Tu peux même me trouver sur Google. Je suis allée vérifier. Oui, la pluie est partie enfin, mais j'ai recommencé à travailler. C'est ça le problème. Les autres. Oui, tant mieux, j'aime ça le soleil. Je travaille dans une entrepôt. D'après Monsieur Pêcheur, je sais pas s'il est encore là, je suis cariste. Mais je conduis des livres. Je suis chauffeuse de lift. Ben oui, mon chien, elle va bien. Elle est juste là à côté, elle est couchée. Carrie. Tu viens d'aller voir sur Gogo. Ah bon, j'ai fait des études pour être dessinatrice en bâtiment, mais la COVID a chié mes plans, tu comprends? Puis après ça, ben, il fallait que je recommence à travailler au plus Chris. Fait que j'ai fini à apprendre à conduire des livres. Puis j'aime ça. Je préfère beaucoup ça. Ben, plus ça, je veux dire que rester assis toute la journée. Ben ouais, je l'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé en dessin de bâtiment. On est fait des plans. C'est juste que la COVID a tout chié. Parce que les écoles ont fermé, puis moi, il fallait que j'aille à la maison m'occuper de ma fille. Fait que j'ai perdu ma job. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu attendre 2 ans de temps. À peu près pour retourner. Ah, toi, t'es architecte, chanceux. Mais bon, j'ai pas ces études-là quand même. Mais j'ai travaillé pour des architectes et des ingénieurs. J'ai fait de la structure d'acier, puis un peu de plan de rénovation des écoles de Montréal là, pour la CSDM. Vas-y, mangez les mouches. Ben, c'est ça. Après ça, fallait que je voie maman avec ma fille. Parce que tout avait fermé. Puis quand il a fallu que tout reparte, ben, il fallait que je me trouve une job au plus Chris, puis en dessin de bâtiment. C'était pas très possible dans ce temps-là. Fait que j'ai trouvé une job dans un entrepôt, puis je conduis des livres, puis je suis mieux payée que les 2 autres entreprises que j'ai faites en dessin de bâtiment, Chris. Non, José Lito, je suis pas ton amour. Je suis l'amour de personne. Ben, je préfère travailler physique dans la vie que rester assis. Pour vrai, si il aurait fallu que je continue à faire des plans à 8 heures par jour, là, j'aurais pas le choix. Il m'aurait fallu genre un ballon d'exercice à un moment donné. J'aurais pas été capable de juste rester assis toute la journée. C'est une façon de parler. Mmh.
Ben, ils sont pas déçus de mon travail, là. Mais non, c'est pas parce que je suis une fille pis que toi, tu me trouves cute qu'eux autres, ils bavent sur moi, là. Je travaille avec deux garçons très respectueux. Ils sont calistes, ils ont chacun leur blonde pis ils sont bien heureux, là. Moi, l'important, là, c'est que je fasse la job. Tu comprends? Eux autres, là, ils avaient besoin d'un helper. Pas d'une troisième personne qui vont devoir aider à tout bout de champ, tu comprends? Fait que je suis autonome, là. Il n'y a pas personne qui m'aide là, à prendre mes